Les Auxerrois attaquèrent durant toute la première mi-temps, mais il eût fallu qu'ils fissent preuve de beaucoup plus d'allant pour trouer l'héroïque défense toulonnaise. Heureusement, en seconde période, alors que le match semblait s'endormir, soudain, la tête de Mazzolini jaillit au milieu du magma des joueurs massés devant le but toulonnais, et c'était le premier but auxerrois. Ensuite, les Auxerrois n'avaient plus qu'à attendre placidement la fin du match, ce qu'ils firent, non sans marquer un deuxième but splendide. Il fallait alors attendre la fin du match, ce que tout le monde fit dans une joie générale, sauf les Toulonnais, bien sûr. J'ai fait le commentaire. Génial. Génial. Racontez-nous l'histoire. Ça aussi, c'est un pari, Guy. Je ne me souvenais plus. J'aimerais bien.